Salut, bienvenue à tous dans le nouveau rendez-vous d'actualité. Ce 22 janvier, nos confrères de Madame Figaro peignent le portrait de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, par le biais de rares témoignages de sa fille Émilie, ou encore de celui d'une amie de longue date de la grande figure de la droite. Fabienne, actuelle directrice générale adjointe en charge du pôle des ressources humaines au Conseil régional d'Île-de-France, a évoqué dans les colonnes de nos confrères ses souvenirs du lycée de Neuilly-sur-Seine, où elle a rencontré la future candidate LR. Nous avions 13 ans, je venais d'arriver à Paris, je me sentais un peu décalé à Sainte-Marie, un milieu clos, mais Harry Potter, Miss Nobishipi, Valérie c'était tout le contraire, s'est-elle remémorée. En classe de russe, grande toutes les deux, nous avons été mis au fond de la classe, a expliqué l'ami de longue date de la femme politique, qui décrit ces dernières lorsqu'elle était jeune, comme ayant été très naturelle, très ouverte, curieuse de tout, super drôle et trois têtes académiques, au-dessus de tout le monde sans en faire un plat. Valérie Pécresse, pendant ses années lycée, était toujours déléguée de classe, parce qu'elle avait des relations d'adulte avec les profs, de quoi donner le temps pour le reste de son parcours de vie. Admirative de sa copine, qui était la meilleure de la classe, Fabienne, était consciente de son originalité, de la liberté de pensée qui régnait chez elle, de son environnement familial goyiste, de sa mère bout en train. Très vite, les deux jeunes filles sont devenues inséparables, comme le précisent nos confrères. En grandissant, elles ne se sont plus quittées et se sont même affichées plusieurs fois en public, comme lors de l'investiture de François Mitterrand. Preuve que Valérie Pécresse est fidèle en amitié, comme en amour. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.